Petite note bio pour Daniel. Daniel est travailleur culturel, commissaire, éducateur et auteur. Il occupe actuellement le poste de commissaire adjoint à l'engagement à la Fondation FI pour l'art contemporain, avec laquelle il travaille depuis près de 10 ans. Il a récemment complété un doctorat en histoire de l'art à l'Université de Montréal qui porte sur les échanges entre la photographie artistique contemporaine et les pratiques amateurs via les architectures du numérique. Daniel s'intéresse aux pratiques croisées, pratiques artistiques et pédagogiques, à la médiation culturelle critique et à la redéfinition de l'art public. Daniel, ma première question porte sur ce titre, commissaire à l'engagement. S'il te plaît, peux-tu nous dire qu'est-ce que ça veut dire, commissaire à l'engagement dans un centre d'art contemporain? Qu'est-ce qui sous-tend ces termes-là? Bien sûr, Eva. Ben, d'abord, merci à tous et à toutes d'être présents. Ça me fait vraiment plaisir de partager le moment d'un mercredi midi avec tout le monde. Puis au plaisir d'échanger sur toutes les questions qui ont été soulevées déjà par Eva en intro. Puis j'espère que mes réflexions vont aussi initier des échanges collectifs autour des thématiques qui ont été soulevées. Qu'est-ce que ça représente, un titre comme commissaire adjoint à l'engagement? C'est une sacrée bonne question, Eva. Parce que essentiellement, ce titre-là n'a pas vraiment été accompagné d'une redéfinition de mes tâches qui m'étaient affectées depuis comme 8 ou 9 ans. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas nécessairement un nouveau poste, mais plutôt une manière de reformuler ou de recadrer le travail qui a été effectué en tant que membre d'une équipe qui a des activités éducatives, mais commissariales aussi. Je pense que cette réflexion-là est venue d'un désir de rendre visible les points de contact qui existaient au sein de la Fondation FI entre l'équipe commissariale et l'équipe éducative. On travaille avec une équipe qui est relativement petite. On est à peu près une dizaine d'employés de bureau à la Fondation, mais parmi ces employés-là, il y a une bonne partie de cette équipe-là qui fait partie de l'équipe éducative. Presque la moitié, en fait, de l'équipe de la Fondation FI fait partie de ce département-là. Et donc, j'ai évolué au sein de ce département-là pendant plusieurs années. On a évolué selon un modèle qui était plus ou moins horizontal, c'est-à-dire qu'on se partageait en équipe et l'animation et la programmation et la coordination de toutes les activités éducatives, ce qui fait que ben, c'est fidèle à beaucoup de travail dans le milieu culturel où on est appelé à porter plusieurs chapeaux simultanément, puis à faire à la fois un travail de coordination puis un travail sur le terrain, entre guillemets. Je pense que d'ailleurs, c'est une posture que les médiateurs, médiatrices culturelles sont très habitués de fréquenter, puisque c'est un peu la nature du travail aussi. Et puis, c'est ça, en fait, on a officialisé le passage vers l'équipe curatoriale l'année dernière, en pleine pandémie. Donc, il fallait comme d'abord identifier qu'est-ce que ça voulait dire un commissaire à l'engagement en général, mais aussi plus spécifiquement ce que ça veut dire un commissaire à l'engagement dans un contexte de crise où on essaie de rapidement changer nos activités, les adapter à des nouvelles réalités, s'assurer de conserver le contact avec les publics avec lesquels on avait déjà des liens. Donc, essentiellement, ce travail-là est un travail que je vois vraiment à mi-chemin entre le travail de médiation puis le travail commissarial, c'est-à-dire qu'il y a un aspect de recherche, de développement d'activités, d'exposition, de programmation. Et de l'autre côté, une partie qui est de la facilitation, de l'animation de ces activités-là qui sont organisées. Il y a beaucoup de ces activités-là qui ont évidemment, de par la nature de tout ce qui se passe, été présentées en format numérique. Donc, c'est des choses qui existaient déjà dans la programmation de la Fondation, par exemple, mais qui ont été rapidement adaptées. Puis d'autres initiatives plus récentes qui commencent à comme, faire un peu plus de mousse ou de brou ou de je ne sais pas trop quelle métaphore organique utiliser pour parler du foisonnement de ces activités-là. Mais là, ces activités-là sont, je pourrais en parler un peu plus tard, elles sont hybrides entre le numérique et le physique, dans une volonté aussi de se réapproprier ou de
refaciliter une relation avec l'espace physique, non celui de la fondation, mais les espaces physiques en général aussi, je pense. Puis peut-être que une courte réflexion sur le terme engagement. Qu'est-ce que ça veut dire, engagement? C'est un terme qu'on a ciblé après avoir fait un peu de recherche auprès des institutions muséales en art, un peu partout. C'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le monde anglo-saxon pour définir une transition vers un modèle éducatif plutôt plus orienté vers le scolaire ou une relation dans les structures scolaires, vers une ouverture, en fait, de ce champ-là à d'autres publics que le public spécifiquement scolaire. Puis je pense qu'il y avait dans ce choix de termes-là aussi un désir de repenser la séparation entre les activités de médiation et les activités de commissariat qui sont souvent maintenues à distance de par l'ordre, la structure dans les institutions. Donc, d'imaginer une structure où la médiation ou l'engagement pourrait potentiellement venir simultanément avec la réflexion commissariale ou même avant la réflexion commissariale, en fait. Alors que souvent, on a tendance à développer la médiation, surtout dans le contexte muséal, un peu en réponse à l'activité de recherche curatoriale. Donc, c'était une façon aussi de repenser ou de renverser cette structure-là qui, à mon avis, ne reflète pas exactement, c'est-à-dire la séparation entre médiation et commissariat, ne reflète pas très bien la réalité pratique sur le terrain, à la fois pour les gens qui sont impliqués dans les institutions, mais aussi pour plein de gens qui œuvrent à titre de travailleurs indépendants et qui doivent, parce qu'ils sont en collaboration avec des institutions, mais dans une posture indépendante, toujours négocier un peu les tâches entre des choses qui sont très, très près du commissariat, mais qui ne sont jamais nommées comme commissariales, et des choses qui sont plus près de la pratique éducative ou de la pratique en médiation. Ouais, merci Daniel. C'est vraiment, je pense que les gens auront des choses à dire. Le terme est très fort, hein, celui d'engagement. Les mots qui surgissent, compromis, négociation, accompagnement, et qu'on l'entend vraiment comme c'est un statement très fort, puis on pourra revenir sur le manifeste fondateur du Centre Fiche, si tu veux faire peut-être le lien après, mais c'est de dire, dis-moi si j'entends bien, très fort, qu'on s'engage à faire ce lien entre l'art contemporain et les publics potentiels et les gens. On s'engage à plonger dans cet interstice difficile entre ces pôles de contenu, de savoir et des personnes à qui on s'adresse. Et on veut le faire en s'engageant, enfin, en plongeant dedans. C'est vraiment intéressant parce que tu l'as nommé, en fait, dans les musées, en fait, ça a été un schisme total entre les deux grands secteurs de l'éducation et de la conservation. Qui se répare peu à peu. Donc, de choisir ce mot d'engagement est quand même, c'est de proposer une posture assez forte. Et c'est ça, je voudrais revenir un peu à la programmation. Je voudrais peut-être que tu l'associes avec le manifeste fondateur. C'est un peu quelque chose à partager à ce sujet-là. Mm-hmm. En fait, ce manifeste-là, qui est comme une adaptation du mandat de FI ou... La structure de FI est un peu complexe. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses à rendre publiques ou à réfléchir sur la manière dont les gens comprennent la relation entre FI comme une entité globale qui inclut des activités spécifiques à la fondation et des activités au centre. Puis souvent, on est partenaire. Je disais souvent en introduction dans les visites que la fondation et le centre sont comme des organismes sœurs ou... Il y a comme un rapport filial entre ces deux organismes-là, mais évidemment, les deux remplissent des mandats assez distincts de par leur structure administrative, mais aussi de par leur champ d'action plus spécifique. Donc, la Fondation FI a vraiment un mandat de s'engager plus directement avec les pratiques en art visuel et médiatique contemporain. Mais évidemment, comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, les pratiques en art visuel contemporain sont
des pratiques qui sont hétérogènes et multiples et qui appellent à d'autres disciplines que celles très circonscrites des arts visuels. Donc, nécessairement, on fait aussi un travail multidisciplinaire à la Fondation PHI, alors que notre mandat est plus spécifique vers les arts visuels, tandis que le Centre PHI a vraiment placé au centre de ses activités cette multidisciplinarité-là. C'est comme deux modèles, en fait, pour réfléchir, à mon avis, la porosité aussi entre les disciplines. Puis je pense que le titre aussi, ta réflexion, Eva, me fait penser au fait que je pense que le titre s'adapte aussi à l'évolution des pratiques artistiques actuelles, dont beaucoup intègrent des stratégies ou des tactiques qui sont liées à la médiation, à l'éducation, à l'enseignement, à la pédagogie, à même des projets qui sont présentés comme expositions ou comme projets spéciaux. Il y a comme un triangle qui se dessine, là, une relation spatiale entre des gens qui travaillent en commissariat, des gens qui travaillent en éducation, en médiation culturelle et des artistes. Et donc, comme les artistes ont cette belle liberté ou ce beau loisir parfois de pouvoir moduler leur pratique pour y intégrer des activités qui semblent corollaires, disons, à la production artistique, mais je pense que de la même façon, il faut que les postes de commissariat et de médiation s'adaptent aux nouvelles réalités de ces pratiques-là, en fait. Donc, depuis quelques années, on accueille des artistes à la Fondation où l'exposition physique, la présentation d'œuvres s'accompagne d'un programme public qui fait partie de l'œuvre. Et donc, de développer ce genre de projet-là, alors qu'on sépare toujours les activités de médiation et de commissariat, c'est comme un non-sens, puisque la pratique artistique nous invite à les penser en commun, en fait, puis à les réfléchir ensemble. Donc, c'est un peu prendre la balle au bon après la réflexion qui est développée par le champ artistique. Mais je pense aussi que c'est une reconnaissance de la porosité entre ces deux postures-là qu'on ignore souvent ou qu'on tait souvent. C'est-à-dire que souvent, j'ai été appelé commissaire dans des projets où il me semble que le geste de commissariat n'était pas très fort, ou c'est-à-dire que les tâches qui m'étaient confiées me semblaient autres que celles du commissariat, alors que beaucoup de tâches que j'ai faites comme membre d'une équipe d'éducation ou comme médiateur culturel sont très près du travail commissarial. Le rapport de proximité avec les artistes, le développement des techniques sur les projets, l'échange, le soutien, la recherche. Donc, c'est une manière aussi de... Je pense que la terminologie est super importante. Donc, c'est aussi une façon de comme identifier une voie qui était déjà existante, mais qu'on ne nommait pas comme telle, en quelque sorte. Merci, Daniel. C'est vraiment intéressant. Beaucoup de ces mots-clés que je peux mettre sous la grande bannière de penser autrement l'action culturelle aujourd'hui. Des choses qu'on dit beaucoup en médiation, mais tu les incarnes très bien à travers... ces différentes dimensions de l'artiste, commissaire, éducateur, tout ça. Là, on parle beaucoup de porosité en médiation culturelle. On dit aussi que beaucoup de gens sont mal à l'aise avec la médiation culturelle à cause de son indéfinition. Tu sais. Mais tu nous amènes, tu sais, penser en commun, penser différemment, décloisonner les pratiques. Voilà, on pourrait revenir avec les personnes à la fin. Je voulais t'amener justement sur les pratiques et revenir au temps de la médiation en échangeant sur ce qui a été observé, sur ce qui a été fait à PHI. Je veux juste revenir à la petite définition que je m'étais faite. Alors, je faisais le constat que la pratique de la médiation temporelle s'est toujours inscrite dans une diversité de temporalités qui façonne sa raison d'être. Le temps de la conception, de l'expérience, de la confiance. La temporalité est une source de tension. On peut l'entendre de façon plus conceptuelle ou très pratique. Je n'ai pas le temps de faire ça. Temps court, temps long, urgence d'agir et engagement dans la durée. Et c'est des notions qui ont été nouvellement remises à l'épreuve avec le basculement en ligne dans cette dernière année de pandémie. Alors, on se dit comment se conjuguent ces rythmes complexes des médiations et des populations dans les espaces confinés. Et
C'est une réflexion que porte les filles. Je vous ai beaucoup suivi parce que il y a beaucoup de choses que vous faites que j'aime beaucoup. Vous avez été un modèle d'inspiration avec étant un des premiers à proposer les résidences d'artistes en ligne, accompagné d'une réflexion sur la médiation, le journal de bord, le partage de la pratique de l'artiste. Vous avez des textes, vous avez un texte sur l'instant, le temps comme un instant. Alors, parle-nous un peu de ce qui a été fait et observé à FI. C'est vrai que l'observation est assez juste, qu'on a été assez rapide et réactif par rapport à tout le contexte pandémique. Je pense qu'on a pu être réactif et rapide parce qu'on avait les ressources et l'infrastructure disponibles au sein même des équipes pour pouvoir développer des projets rapidement, ce que je suis conscient que ce n'est absolument pas le cas de toutes les institutions. Pour qui un passage à des opérations numériques demande un investissement de temps, d'énergie, de ressources comme incroyable. Puis je pense que souvent, on s'en est mis beaucoup sur les épaules à vouloir être réactif et instantané dans ce moment de crise-là aussi. Mais je pense que cela étant dit, je pense que toute cette réflexion-là autour du temps, pour moi, elle est double, en fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce temps-là de l'instant ou de la crise ou d'une réponse rapide à un contexte particulier qui, pour moi, est assez similaire au travail, en fait, d'animation dans le cadre d'une activité de médiation. Surtout quand on opère avec des formules qui sont plus dialogiques ou dans l'échange. Donc, j'ai l'impression que la manière de penser les activités éducatives à la Fondation, puis AFI en général, nous avait préparé à être réactifs, en quelque sorte, à ça, parce qu'on développe une stratégie de visite ou d'animation, par exemple, où on n'a pas de scénario directeur, on ne fait pas de visite magistrale, on fait des visites sur le mode de l'échange, du dialogique, on va où les gens nous amènent en réaction aux œuvres, ce qui fait qu'on est constamment déstabilisé dans l'animation, mais ce qui nous prépare aussi à être confiant dans cette posture de déstabilisante. Pour ce qui est des activités de filles, je pense qu'il y en a eu certaines qui ont fait image. C'est clair que Ligne parallèle, la résidence qu'on a offert, ça a été une belle manière d'offrir un support à la création contemporaine puis d'adapter le principe de la résidence au contexte pandémique. Pour résumer, Ligne parallèle, en fait, c'était un projet où 10 artistes ou collectifs ont été choisis pour développer un projet présenté en ligne sur 2 mois. Donc, il y avait une exposition virtuelle qui a été présentée à partir de l'été puis qui est toujours en ligne. Il y a maintenant une exposition physique qui est comme la contrepartie tangible et matérielle et présentielle, pardonnez-moi l'utilisation de ce mot absolument horrible, mais que je dois quand même utiliser, de l'exposition. Mais comme tu l'as souligné, Eva, dans le processus de développement de ces œuvres-là, il y avait un geste de médiation qui était... on invitait les artistes sélectionnés pour la résidence à... une fois par semaine, fournir des traces de leur processus créatif qui allaient être publiées sur des studios virtuels, en fait, qui devenaient comme des espèces de journaux de bord, des manières de témoigner de l'avancement, de la création, mais aussi des blocages potentiels, de la difficulté de pouvoir développer des projets alors que l'accès aux espaces de création sont limités, l'accès aux ressources doit être repensé. Et pour faire ce processus de médiation-là, on a dû en fait créer des studios qui étaient adaptés aux projets proposés par chacun et chacune des artistes ou des collectifs. Donc, il fallait tout de suite avoir un développement web où clairement, on devait s'adapter rapidement aussi aux propositions qui étaient envoyées, puis être réactif aussi aux changements constants des projets dans les 60 jours de création. Puis, pour moi, ça témoigne plus largement de quelque chose qui a été assez difficile à maintenir pendant la pandémie, puis que j'ai pu observer dans d'autres activités que la Fondation FI ou FI en général ont organisées. C'est que dans le rapport entre l'institution et l'artiste,
pour permettre à l'artiste un espace de liberté dans la création, un espace exploratoire où il peut y avoir des ratés, où les choses peuvent arriver à la dernière minute, où on peut changer les choses comme, de manière réactive. L'institution est souvent la contrepartie conservatrice, entre guillemets, de ce rapport-là, où pour que les artistes se sentent en confiance de développer des projets avec une certaine incertitude, on offre un contexte qui, lui, est certain ou lui est déterminé. Et là, ben, on perd cette détermination-là parce que les projets physiques, on était ouverts, puis fermés, puis réouverts, mais avec une capacité réduite, puis refermés. Même chose pour le web aussi. Au début, il y a eu comme un appétit immense pour toutes sortes d'activités qui étaient en ligne, puis éventuellement, avec cet appétit-là, il y a eu une satiété ou il y a eu comme un trop-plein d'activités où là, il fallait imaginer autrement, en fait, comment s'engager en ligne. Puis, cette question-là reste pour moi, en fait. C'est que là, maintenant, en envisageant comme un horizon plus, disons, à moyen terme ou à long terme, comment est-ce que les institutions vont pouvoir accueillir des projets, soit de médiation ou de création, ou en offrant un contexte déterminé et certain de support, mais en restant tout de même flexible aussi, puis en réalisant la quantité de travail supplémentaire que ça nécessite de la part des artistes et de la part des institutions. Comme exemple qui me vient spontanément, on développe à la Fondation FI pour chaque exposition un atelier de création en dialogue, en fait, avec un artiste ou une artiste contemporaine basée à Montréal ou au Québec. On invite les artistes à proposer un atelier qui est comme co-créé ou co-développé avec l'équipe. Puis ensuite, l'équipe est en charge de faciliter cet atelier-là pendant les visites ou les activités à la Fondation. On était en développement d'atelier avec Michael Sergil, une artiste visuel qui travaille le textile, l'installation pour l'expo. Et là, ben, le contexte que je lui avais donné pour développer quelque chose était, ça se dérobait sous nos pieds. On ne pouvait plus faire d'activité en présentiel, on ne pouvait plus accueillir de groupe. On avait développé une activité qui était hyper tangible et là, il fallait imaginer un passage en ligne à cette activité-là tangible avec tout le stress qui était accompagné avec la tactilité aussi ou la désinfection. En tout cas, ça faisait partie de nos anxiétés constantes dans l'adaptation de tout ça. Puis c'est en réfléchissant en collaboration avec Michael, une nouvelle formule pour ça que j'ai réalisé, d'une part, l'extrême difficulté d'avoir à adapter ce genre d'activité-là. La réalisation que parfois les activités ne sont pas adaptables aussi, qu'il faut comme vivre avec ce fait-là aussi, mais surtout l'énorme quantité de travail que ça représente de réfléchir autrement à une activité comme ça et l'espèce d'incertitude à savoir si c'est de l'institution que cette adaptation-là doit partir ou de la réflexion de l'artiste, en fait. Puis je pense que je n'ai pas de réponse formelle à tout ça. Je pense que souvent, c'est des conversations, des choses qui se passe dans le dialogue entre les deux. Mais c'est un peu une patate chaude, si vous me prêtez l'expression, parce que c'est comme d'un côté, on a les ressources nécessaires pour développer, pour penser autrement, mais évidemment, on ne veut pas surinterpréter ou mal interpréter l'intention derrière un geste artistique ou un geste créatif. Donc, ça a été une super belle négociation, mais le travail avec Michael, en fait, a fini par déborder le contexte précis de l'atelier créé pour une exposition. C'est une conversation, en fait, qui se poursuit en ce moment. Donc, ça fait un an qu'on est en échange et puis on imagine encore de nouvelles avenues, de nouveaux développements pour cet atelier-là. Donc, il a fallu aussi, dans le cadre de notre programmation, détacher ce genre d'activité de médiation-là de l'immédiateté de la réponse à une exposition, puis de faire confiance au fait que conceptuellement ou formellement, ces projets-là sont assez forts pour être présentés en dehors de l'expérience de l'exposition. Ce qui était pour moi le cas pour à peu près, sinon vraiment, toutes les activités qu'on proposait comme ateliers ou comme projets spéciaux.
Mais cette dynamique-là aussi est à réfléchir autrement entre l'activité en réponse à ce qui est en salle, puis l'activité qui se tient toute seule, entre guillemets. Merci Daniel, c'est fort intéressant. Encore là, ces deux volets, toute la dimension philosophique qui est derrière la pratique et le terme engagement. Donc, tu dis déjà s'engager à être déstabilisé, s'engager dans l'incertitude, s'engager à réfléchir autrement. Puis après, bien, tu reviens vraiment à la pratique, la négociation, l'adaptation, la responsabilité aussi, qui porte la responsabilité de l'adaptation, et tout le temps cette question du temps qui revient. Et je voudrais quand même commenter, on a eu l'occasion d'échanger avec la personne qui est directrice à l'éducation. Elle a eu un échange avec nous où est-ce qu'elle nous racontait, ça m'avait beaucoup marqué parce que alors tout le milieu de la médiation se plaignait du manque de temps, de ce temps raccourci, shredded, tu sais, dans le temps du réseau. Et là, c'est Marie-Hélène, qui nous dit, elle nous parle de qualité. En nous disant, par exemple, les groupes scolaires, avant, ben, il y avait toujours la contrainte du temps de la sortie, du temps de l'autobus. Et là, on a transposé les activités de médiation en ligne avec les scolaires et on a eu le luxe du temps. Où est-ce qu'on a pu répéter, rallonger les activités de médiation culturelle et ça a été pour le mieux? C'était plutôt surprenant. Il était à contre-courant, ce commentaire-là. Mm-hmm. Bien, en fait, c'est aussi, on parle de temps, mais évidemment, quand on parle de temps, on parle souvent d'espace aussi. Puis je pense que ces deux dimensions-là sont complémentaires. C'est clair que ça nous a invités à penser autrement notre rapport à l'espace. Puis je pense qu'on est très familier dans le milieu avec des activités hors les murs. On sait très bien qu'il y a tout plein d'initiatives qui déborde du cadre particulier du musée ou de la galerie ou de l'institution. Mais il y a comme une relation d'hospitalité qui se développe dans ces nouvelles, dans ces nouveaux rapports-là où on est accueilli dans les espaces où ce sont en fait les gens qui sont nos publics, qui sont confortables et habitués alors que nous, on est déstabilisés puisqu'on arrive dans une... Bon, on n'est pas là physiquement, on est dans une classe. Quand on voit une classe filmée, interagir ensemble, il y a des dynamiques qui sont là auxquelles il faut s'habituer rapidement. Donc, c'est aussi une belle déstabilisation supplémentaire qui était liée, je pense, à notre approche aussi de se sentir confortable avec cette adaptation rapide-là. Puis je pense que c'est une avenue qu'on souhaite développer davantage, de même quand on pourra revenir à cette normalité. J'utilise beaucoup de guillemets pour parler de normalité parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, la normalité post ce qu'on vient de vivre. Mais clairement, de développer des relations qui sont à plus long terme, qui dépassent le cadre d'une visite d'une heure et demie ou d'une visite d'atelier de 2 heures. Puis ça demande un engagement de la part de l'équipe d'éducation, pour l'animation, ça demande du temps supplémentaire, c'est sûr, mais ça demande aussi beaucoup d'investissement de la part des enseignants, des enseignantes, des responsables des groupes communautaires qui doivent faire de la place, en fait, pour ce genre d'activité-là au sein de leurs activités. Puis on les sait surchargés dans un milieu très précaire, au même titre que le milieu culturel à plusieurs égards. Donc, il y a aussi je pense qu'il y a une belle occasion de réfléchir une autre porosité, en quelque sorte, entre le milieu éducatif et le milieu culturel, puis de penser comment des nouvelles structures peuvent nous aider à développer des relations sur le long terme, mais aussi potentiellement partager le travail, en fait. Merci, Daniel. Tu interpelles beaucoup la responsabilité de l'institution, je trouve, autant, bon, disons, petite muséale qu'éducationnelle, et je vois des gens dans l'auditoire qui travaillent en institution, ça va être intéressant de les entendre. Alors, je vais poser une dernière question avant de laisser la parole au groupe. Tu nous as amené vers demain, de quoi sera fait ce lendemain. En conclusion, en fait, voie d'avenir, grand questionnement, on verra ensemble. Vers quoi tu nous ouvres? Quelle immense question! Mais quelle joie en même temps de pouvoir essayer de déterminer quels sont les horizons futurs tous ensemble.
Pour ma part, en ce moment, je suis en train de développer un projet d'engagement public qui est comme le premier projet qui me semble occuper un espace distinct de celui de notre programmation habituelle. C'est un projet qui s'appelle Incandescence. On a invité quatre artistes qui ont dans leur pratique des postures simultanément éducatives et artistiques à développer des projets à partir des archives de la Fondation. Il y a certaines de ces archives-là qui étaient toutes ordonnées et bien rangées, et, dans lesquelles j'avais envie de mettre un peu de désordre ou un peu de une intervention autre, mais il y a aussi des archives qui étaient en devenir ou à constituer, comme les archives éducatives, où on se posait constamment la question de qu'est-ce qu'on conserve ou qu'est-ce qu'on préserve une fois que nos activités sont terminées. Ce projet-là, ça représente pour moi un champ de réflexion sur ce qui s'en vient pour les activités éducatives, d'engagement public. En ce moment, on travaille avec la première artiste, Elena Martin-Franco, qui a développé une intervention à même la salle éducative et qui va utiliser cette intervention-là comme un matériau pour une performance qui va être annoncée très bientôt. Et cette performance-là et cette intervention-là va aussi inspirer des activités créatives qui vont pouvoir être offertes dans le contexte de la classe, en fait, où le rôle de la fondation va être d'être un peu la liaison entre l'artiste, le groupe. Mais il y a aussi une forme d'autonomie dans ce projet-là, où une fois que le projet est présenté, il y a un devenir particulier dans une classe ou dans un contexte communautaire qui déborde ce qu'on peut réaliser dans le cadre de la fondation. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très stimulant. Puis c'est une forme que je vois comme totalement hybride, en fait. C'est une intervention physique dans l'espace. C'est pas une exposition au sens traditionnel, puisque la salle n'est pas accessible au public pendant le travail des artistes, mais elle peut être vue de l'extérieur. Mais éventuellement, tous les artistes invités vont avoir des postures ou des résultats de différentes recherches. Puis nous, comme institution, il va falloir s'adapter rapidement à ce qui a été trouvé dans ce contexte de recherche-là pour les présenter publiquement. Donc, j'ai bien hâte de voir un peu comment tout ça va se développer, puis j'ai l'intuition que ça va offrir des belles pistes de réflexion pour une programmation future. Merci Daniel. Beaucoup de choses. Il est déjà moins 20, donc je pense que c'est vraiment le temps de laisser la parole aux personnes qui sont avec nous. Puis je vais demander de l'aide d'Elsa. Levez la main, s'il vous plaît, et manifestez-vous dans le chat au besoin. Est-ce qu'il y a des choses que je ne vois pas, Elsa? Alors, dans le chat, il y a eu des commentaires effectivement intéressants et des réflexions sur à la fois, là pour rebondir sur ce qui vient d'être ouvert comme sujet, la valorisation et donc la question de l'archivage, effectivement, de toutes ces expériences, toutes ces Marie-Hélène Cousineau, c'est ça? Donc c'est ça qui parle effectivement de la valorisation de ces recherches, de ces expériences, de tous ces savoirs, de savoir comment est-ce qu'on va finalement mettre tout ça de l'avant et peut-être aussi donc à la question de l'archivage. Et puis après, il y avait effectivement des réflexions sur la place qu'a l'artiste dans ce triangle dont Daniel parlait et justement tout ce qui a rapport avec la médiation créative finalement dans le contexte d'une exposition ou de diffusion qui était soulevée par Michel Lefebvre. Et je vois que Frédéric a levé la main, je vais donc lui laisser la parole. Merci. Je pense à Frédéric, justement. Merci beaucoup, Elsa. En fait, j'ai deux questions. J'en ai une très pratico-pratique, médiation sur le terrain un peu. Quand vous travaillez avec les écoles, bon, vous disiez que c'était comme une nouvelle forme d'hospitalité. Le fait que ça se passait aussi en virtuel permettait une plus grande souplesse pour les profs. Puis effectivement, c'est quelque chose qu'on a aussi expérimenté. Par contre, je me demandais comment... c'est sûr qu'on atteint une plus grande limite. Il faut axer vraiment sur la qualité du relationnel, je pense, plutôt que sur la quantité de jeunes qu'on rejoint, parce qu'il y a quand même la plus grande difficulté peut-être à une communication fluide et claire
quand on a des groupes. Je me demandais comment, est-ce que vous aviez des, est-ce que vos ateliers de soit de création des ateliers que vous avez fait avec les écoles, c'était avec de petits groupes ou comment? C'est généralement dans des groupes classes, donc quand on parle de comme une vingtaine, une trentaine d'élèves par activité. C'est sûr qu'il y a des projets pour lesquels des groupes plus petits, c'est encore plus souhaitable. Mais on est toujours un peu coincé, je pense, comme beaucoup d'institutions, dans cette dynamique entre quantité et qualité. Puis on est évidemment, je pense qu'on intègre très rapidement dans l'évaluation de nos activités comme la quantité, comme une preuve de la pertinence de nos activités. Je pense que c'est quelque chose qui est à défaire complètement. Puis moi-même, souvent, je dois comme me pincer un peu quand je dis « OK, il faut que j'arrête de regarder les statistiques. » C'est pas que les statistiques qui comptent dans ce contexte-là. Mais on sait très bien aussi que les statistiques comptent pour beaucoup, étant donné que dans tout l'axe de développement public, on a comme importé un modèle d'efficience ou pour réfléchir à nos activités, ce qui fait qu'on est un peu coincé entre ce désir-là de penser autrement la qualité d'échange, mais aussi le désir de proposer ou de montrer qu'on est pertinent à un plus grand nombre. Je pense qu'une des solutions pour moi qui peut paraître un contre-exemple à ce qu'on nomme depuis le début, c'est l'autonomie, en fait, ou l'indépendance par rapport à ces projets-là. C'est-à-dire que des fois, on cherche peut-être un peu trop à être présent pour le moment de la médiation où on sent que il y a un contact, il y a quelque chose qui se passe. Alors que je pense que quand on donne les outils puis qu'on permet une adaptabilité de ces outils-là à des contextes différents puis une indépendance de ces activités-là en dehors de l'institution, on permet aussi à des choses intéressantes d'arriver. Puis je pense aussi que ça nous demande de penser autrement comment on voit les résultats de ce qu'on fait. Des fois, d'être à l'aise avec le fait qu'on fait quelque chose puis qu'on ne sait pas, en fait, exactement si tout ça a fonctionné ou si c'est populaire ou pas, puis on a des retours beaucoup plus tard aussi. Mais ça, c'est une dynamique tellement complexe étant donné qu'on est aussi dans la logique des rapports, des preuves, des constatations. Donc, il y a tout ça. J'avais une autre question, en fait, c'est plus par rapport, j'ai été très à l'écoute là, sur la question de la porosité entre les activités commissariales et éducatives, parce que c'est un petit peu aussi là que je suis. Est-ce que tu peux dire qui tu es, où tu travailles? Oui, bien moi je suis depuis 5 ans à l'Agora de la danse, qui est un diffuseur spécialisé en danse contemporaine dans le quartier des spectacles maintenant, depuis 3 ans. Et donc, j'ai un peu d'activités liées à la programmation, mais de moins en moins, je dirais. Puis avec la pandémie, ça s'est encore plus accentué. Mais mon travail est vraiment, c'est plus tourné vers les actions. Bon, en fait, j'ai toujours eu cette responsabilité-là depuis que je suis là, mais j'y accorde encore une place plus importante, notamment parce qu'il y a quelqu'un au sein de l'équipe qui m'aidait à ce titre-là et qui est parti. Donc, j'ai repris la charge un peu. Et mais là, je me rends compte que c'était comme pratique quand je restais assez fortement un pied du côté de la programmation parce que, justement, les liens c'était plus facile d'avoir la puce à l'oreille pour on décelait, bon, tel artiste va venir, alors on pouvait déjà se mettre en place ou commencer à penser à des concepts d'activité qui seraient pertinents avec cet artiste-là. Mais en même temps, je me rends compte que c'est quand même historiquement, puis dans les institutions en général, on travaille quand même encore en vase clos, là. Puis même si on a des bonnes intentions et tout ça, c'est pas facile. Puis je me demandais si vous aviez des stratégies ou des comment vous travaillez à FI pour que ça soit peut-être plus un continuum d'activité, d'action. Beaucoup de réunions. Beaucoup de réunions.
beaucoup de moments de longues réunions, de discussions, d'échanges de points de vue, de lectures croisées, de, une implication aussi assez tôt dans le processus de recherche, en fait, puis une valorisation de cette activité-là de recherche comme une activité importante pour laquelle il faut faire de la place aussi. Mm-hmm. Je pense que c'est des fois dans la réponse d'urgence, c'est souvent l'activité qui tombe à côté ou qui, mais pourtant, c'est d'autant, il me semble que c'est encore plus important de faire de la place à ça puisque ça nous permet de penser ce qu'on fait maintenant, mais aussi d'imaginer ce qui va arriver ensuite. Donc, pour ça, je pense que c'est beaucoup de réunions. Je pense que c'est aussi de réactiver des contacts sur le long terme qu'on a avec des institutions. Je pense que souvent, on implique plus directement des partenaires scolaires ou communautaires parce qu'on a développé une relation puis un rapport de complicité avec eux parce qu'on est familier avec les structures l'un et l'autre. Mm-hmm. Donc, il faut aussi ça nous permet de se mettre en danger un peu plus puisqu'il y a le confort de la relation qui est là, puis il y a une confiance aussi qui est installée, qui est peut-être plus difficile à installer quand on entre dans une relation nouvelle avec des institutions qui sont intéressées par nos activités. Mais c'est beaucoup de temps. Ça revient à ça, c'est faire de la place, faire du temps pour ça. Puis des fois, on veut en faire plus, puis on peut pas non plus. Je pense qu'il y a des limites aussi à tout ça, mais ouais, c'est ce qui me vient spontanément en tête. Merci. Merci à vous deux. Donc, vous voyez, on revient à cette dimension philosophique, mais très pratique du temps de la gestion, en fait, dans nos organisations. Est-ce que je vois d'autres commentaires dans le chat? Ça, si tu as envie de les partager, Louise Campbell? Oui, il y a un commentaire de Louise. Effectivement, je ne sais pas si Louise est là et veut ouvrir son micro, du coup, peut-être pour prendre la parole. Oui, je suis là. Bonjour tout le monde, puis merci pour la belle discussion. Mon commentaire, ça vient du fait que moi, je suis souvent engagée par un organisme différent pour pratiquement le même rôle, mais avec un titre différent. Puis je me demande, est-ce que je suis la seule personne qui a cette expérience-là? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, une question de vocabulaire où quand je parle avec des artistes, je parle avec un vocabulaire. Quand je parle avec des écoles, je parle avec une autre. Quand je parle avec vous tous, je me laisse aller, puis ça va. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, peut-être, par rapport à ce sujet? Ben moi, spontanément, je pense que j'ai le même réflexe que toi, c'est-à-dire de... Puis je pense que la bio que Eva a lue te témoigne de ma difficulté à nommer avec un seul terme comme quelque chose qui englobe tout ce qu'on fait aussi. Je pense que, donc clairement, j'ai l'intuition que tu n'es pas la seule à vivre ce passage-là un peu difficile de vocabulaire ou de... Mais puis je l'observe aussi à mon avis dans... les pratiques en général. Je pense à un des numéros de la revue de l'ICOM qui pense au terme médiation, puis au fait que, par exemple, juste le terme médiation, ça a été tellement compliqué il est en anglais versus en français, dans le milieu latino-américain, ça a une autre dimension aussi. La même chose avec éducation, qui est un terme qui est super accepté dans le milieu anglophone, mais qui... suscite beaucoup de réactions dans le milieu francophone. Quand on se disait éducateur, on recevait des courriels qui disaient « j'ai pas besoin de me faire éduquer à vos expositions ». C'est comme une espèce de perspective un peu très, très, très limitée sur ce que ça veut dire, l'éducation, dans un contexte muséal. Pour moi, la solution, ça a été d'employer engagement, qui est un autre terme qui est moins utilisé dans le contexte francophone pour définir cette relation-là qui est complexe. Je le vois comme ça. Merci, c'est rassurant. Question-là aussi, elle est récurrente, en fait. Alors, à la fois, Daniel, tu dis l'importance des mots quand une institution fait le choix d'autonomie commissaire à l'engagement, c'est extrêmement fort. Mmh. Mais en même temps, moi, je commence à dire à beaucoup de monde qui n'aime pas le mot médiation, qui ne l'a jamais aimé, je dis, ben, tant pis, on peut en prendre un autre, hein.
c'est pas le mot qui est important, c'est la façon de faire. Mais bref, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir? Juste pour rajouter, je suis fasciné par la fascination que le terme de commissaire à l'engagement a auprès de tout le monde, parce que je pense que je n'ai jamais été aussi sollicité pour réfléchir et présenter publiquement que depuis que j'ai ce nouveau titre-là, alors que mes responsabilités n'ont pas changé. Alors moi, c'est fascinant aussi de voir l'espèce de vernis ou le... Il y a comme un bagage qui vient avec l'utilisation du terme commissaire que je découvre au fur et à mesure de la pratique qui me fascine vraiment. Dans le chat, on a un commentaire. Louise, Daniel, ça pourrait vous intéresser. C'est Michel Lefebvre qui nous rappelle que Culture pour tous a édité autour de 2014 un lexique. J'y étais. Un lexique sur la médiation culturelle et pourquoi Artenzo ne prendrait pas la responsabilité de le remettre de l'avant. Ça pourrait être un exercice qu'on pourrait effectivement mener collectivement, même autour de Wikipédia, en fait, à réfléchir. Je vois le temps qui passe. J'aimerais entendre quelques personnes encore. Il y a des personnes, des artistes, éducatrices, enseignantes du Cégep, Saint-Laurent, qui je pense à Pascal Raffi que je vois. Je ne sais pas, Pascal, si c'est suscite en fait des réactions. J'essaie de voir qui... Tu me donnes la parole, mais je vais juste dire que je suis emballée de tout ce que j'entends. Je suis arrivée en retard, je suis désolée. J'espère que c'est enregistré. Oui, recording, donc je pourrai entendre le début. Commissaire à l'engagement, je trouve ça extrêmement inspirant. Bravo, Daniel Fizet. Mais je suis en pleine découverte de toute façon. Alors, moi, j'ai les yeux ouverts, j'ai les oreilles ouvertes, et puis c'est mon heure de dîner formidable. Merci beaucoup. Merci. Je peux dire que Pascal Raffi est une enseignante en théâtre au Cégep de Saint-Laurent qui est bien connue pour un projet exemplaire qu'elle a mené avec la communauté des femmes immigrantes de Saint-Laurent qui s'appelle Belle-Sœur d'ici d'ailleurs. Enfin, on ressort souvent cet exemple-là, mais Pascal incarne une sorte d'engagement dans la communauté collégiale et elle est toute nouvelle recrue sur le CA d'Artenzo. Voilà, vraiment, je vous invite à un dernier commentaire. Est-ce qu'il y a une main levée? Non, ben alors... Marika a levé la main, discrètement. Je... J'ai peut-être une question, mais elle n'est pas très bien articulée dans mon esprit encore, donc peut-être que ce sera un peu... en fait, déjà, merci. Ça m'interpelle beaucoup. Ça m'interpelle beaucoup dans mon rôle actuel puis dans mon rôle passé quand j'étais à la Place des Arts en responsable du volet éducation collectivité. Donc, toute cette notion d'aspect organique là, entre une programmation, la mise sur pied d'activité, le type de relation à créer. Puis une question, moi, qui m'habite continuellement, en fait, quand je me penche sur des projets ou des initiatives en médiation culturelle, c'est le type de relation ou le type d'espace que je veux créer avec les gens avec qui on collabore, finalement, que ce soit les artistes médiateurs ou des médiateurs culturels ou des participants, milieu scolaire, milieu communautaire, milieu de la santé, etc. Et donc, c'est ça dans cette idée d'engagement, de curiosité partagée, de rencontre. Je me demande en fait comment s'articule en fait cette vision de la relation en fonction des différents... On utilise beaucoup le mot public là, en art, mais j'ai envie de dire plutôt des différents individus ou personnes avec qui vous collaborez ou pour lesquels vous... ou avec lesquels, je devrais dire, vous mettez sur pied des projets. Mm-hmm. Excellente question. Complexe. Je ne sais pas si j'ai je sais même pas si j'ai des éléments de réponse précis à te fournir, mais je pense qu'il y a une belle... Tu as nommé des publics particuliers avec des contextes définis, avec qui ont des besoins particuliers aussi, qui sont tout à fait distincts. Puis je pense que ce que je remarque beaucoup dans le travail de la médiation, puis pour lequel le terme d'engagement me semble un beau terme pour décrire quelque chose, c'est qu'il y a à la fois quelque chose de commun entre tous ces groupes-là, qui sont des liens avec l'art, des liens avec
la création, des liens avec un engagement avec la création artistique. Mais qu'il y a aussi une particularité à tous les échanges, une particularité du scolaire versus du communautaire, mais aussi une particularité de tous les groupes individuels, ce qui demande donc, il y a comme des échelles d'adaptation, en quelque sorte, qui sont constamment changeantes entre la particularité de chacun des groupes, la particularité des domaines où on veut établir des activités ou entrer en collaboration, puis des choses plus larges, en fait. J'ai envie de poser ou de dire qu'une des façons de voir cette qualité de relation-là, c'est de renverser un peu la manière dont on établit généralement ces activités-là en invitant les publics. Puis le public, c'est un terme sur lequel on peut discuter très longtemps aussi, à être là avant les artistes ou en même temps que les artistes. De comme changer un peu notre rapport production-réception. Puis je pense qu'il y a plein de projets de médiation qui le font. Mais pour moi, ce qui est fait dans ces projets de médiation-là, ça témoigne d'une volonté plus qui déborde le contexte particulier de la médiation, de repenser ces rôles-là qui sont repensés dans les pratiques constamment aussi. Donc, je pense que ça revient en quelque sorte aussi à la question du vocabulaire, comment nommer ces échanges-là, puis de voir comment on les nomme en dehors de la médiation, ou est-ce qu'on veut les intégrer dans le principe de médiation, puis pourquoi est-ce qu'on résiste tant que ça, ce terme-là aussi. Je trouve que c'était fascinant, mais il faudrait prendre un autre dîner pour en parler, tout le monde ensemble. Ben, c'est super. Moi, je prends la balle au bond de ce prochain dîner. Il est prévu le mercredi 21 avril. Voilà, Daniel, un peu en conclusion, je voudrais donc le relais. Je te passe le relais, je te passe la poque. Je t'engage à t'engager. Et dis-moi, tu as identifié un duo qui s'appelle Micro-Sillon. Pourquoi tu as choisi Micro-Sillon pour le prochain échange? Bien, pour moi, Micro-Sillon, c'est un organisme, un collectif fascinant parce que ce sont des gens qui occupent une posture d'artiste, qui présentent souvent des projets comme artistes invités dans des institutions, mais qui ont intégré à même des projets artistiques un axe très, très important de recherche, qui ont fait d'eux une espèce de bibitte ou un ovni à mi-chemin entre la production artistique, la recherche, puis qui, pour moi, incarne vraiment de façon intrigante cette porosité-là dont on discute depuis le début de notre conversation ensemble, Eva. Puis j'étais particulièrement intéressée par leur aspect, par leur développement de pédagogie critique, en fait, c'est vraiment un axe élémentaire de leurs activités, de réintégrer ou de se réapproprier des textes fondamentaux de la pédagogie critique du 20e siècle, mais de se les réapproprier par des formes d'engagement ou de médiation en collaboration avec des groupes dans des contextes particuliers. Donc, je suis très, très intriguée à en savoir plus sur leur processus de réflexion, de recherche, à voir comment eux se positionnent par rapport à ça, mais aussi de juste échanger avec eux sur la porosité de tout ça. Super. Ben alors, vos agendas, le prochain rendez-vous est le mercredi 21 avril de midi à 13h heure de Montréal pour une conversation croisée donc entre Daniel Fizet et Marianne et Olivier qui forment le duo Micro-Sillon basé à Genève, économie sous le chapeau justement de médiation critique et pédagogie engagée. Voilà, je vais quand même vous donner un rendez-vous la semaine prochaine qui est avec nos collègues de l'OMEC, l'Observatoire des médiations culturelles dont je fais partie, dont mon équipe fait partie aussi, et on co-organise l'OMEC, Artenso et le Laboratoire sur les publics de la culture de l'UQTR, un autre moment en fait, de rencontre autour de médiation et numérique. Donc, c'est une matinée avec plusieurs recensements en fait, de projets dans différentes disciplines, art visuel, littérature, en fait, des projets de recherche, de recensement qui ont lieu au cours de cette année pour collecter en fait, la parole et les objets de ce qui s'est fait autour de la pandémie. Donc, ça va être fort intéressant. Donc, mercredi prochain de 9 à midi à l'OMEC.
Alors voilà, ben, merci tout le monde. Merci à l'équipe d'Artenso qui l'a tout prêt. Merci à Daniel beaucoup. Merci aux participants et aux participantes. Je vous invite vraiment à nous écrire. La conversation est archivée et puis on trouvera bien un format à la fin de rendre compte de ces échanges en les enrichissant d'ici là. Alors, bonne fin de journée. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Il y a Anne-Céline que j'ai admise, j'espère pas trop tard dans la salle. Anne-Céline, est-ce que tu l'avais vue, Elsa?